Oi. Alors, non, je ne peux pas. Enfin, disons presque. J'ai trouvé quel était le problème de ton jardin. C'est une nymphe qui vit parmi les racines et qui a tout chamboulé. Oh, Dieu soit loué, ce n'est que ça. J'ai cru que je devenais folle ou que j'avais perdu la main verte. Bon, eh bien, allons récolter une nymphe. Attends, non. Elle veut un endroit où s'installer. Je crois que si je réussis à lui dégager ce bout de terrain, on pourra la faire déménager sans la récolter. Personnellement, je pense que rien ne vaut un bon coup de sécateur sur toutes ces saletés. Mais bon, si tu veux défricher, il va falloir que tu t'occupes de ces horribles fouisseuses. Je suis déjà tombée dessus et j'ai dû les piétiner pour en débarrasser mon jardin. D'ailleurs, ce n'est pas une si mauvaise idée. Voilà. Ceci te permettra de faire sortir ces saletés de leur cachette pour t'en occuper. Maintenant, file. N'en fous pas. Moi, j'ai du travail. Yeah.
J'aimerais bien ouvrir une boutique de vase un jour. Enfin, tu sais, si je survis à tout ça. Et je serai ton premier client, mais je devrais peut-être emprunter auprès d'Hermès. Zeus ne nous paie pas, tu sais. Comment pour... Ouais, mais je suis comment pour... Oui, file par contre. Ouais, mais je suis comment... Ah ouais, mais je suis comment pour... Ah ouais, mais je peux pas, je suis comment? Ah ouais, mais je suis comment pour... Merci. Ah ouais. Oh putain, c'est des galères ça. Oula. Ah ouais. Ah ouais, c'est comme ça, il n'y a pas de... Putain. Oh ouais, non, ça va être galère ça. Oh ouais, mais ça va être... Oula. Ouais, mais là...
bien, championne. Essaie donc d'utiliser l'eau de vie de Déméter ensuite. Je sais pas. Saleté. 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 Je t'en foutrais, moi, des papilles, moi. Saleté. Ah ouais. C'est ce qu'il dit le papy. Fumier. Salut Black Knight. J'ai vu, t'es là, t'as streamé un petit peu, mais pas longtemps. T'as un peu streamé tout à l'heure. Bon, pas longtemps, mais... un petit peu. Et tiens. Je me suis mis un petit tiens. Tu as fini? Parfait. Juste à temps. Je crois que le moment est venu de faire déménager ma petite invitée. Même si cette animation ne m'a pas entièrement déplu. Ah. Le nouvel endroit est prêt. C'est un très bon quartier. Les écoles sont bien, on peut se garer facilement, et les voisins sont moins bruyants, tu verras. De rien, oui. Sale petite parasite. Quoi qu'il en soit, Ash, tu as tenu parole. Et plus important encore, je commence à me dire que la situation est grave, sinon cette Athéna ne te viendrait pas en aide. Et si les choses sont dans cet état ici, je me demande bien ce à quoi le monde extérieur peut ressembler. La situation du monde est catastrophique. On a vraiment besoin de toi et des autres. Bien sûr qu'on a besoin de moi. Je suis la vie et la mort et le champ et la friche. Je suis indispensable. Mais cela fait longtemps que je suis sans nouvelles de ma fille. Je tente de garder le contrôle, mais j'ai perdu ma vision d'ensemble. Et ta vision est importante. Pitié, tu n'as pas idée de la manière dont le monde s'est dégradé sans toi. D'accord. Entendu, je vais rentrer sur l'Olympe. Une tâche m'y attend. Bonne chance, mortel. Puisse tes récoltes être abondantes. Tu as réussi! Déméter va déjà de salle en salle à tout remettre en place et à crier sans arrêt sur Hermès. Plutôt sur lui que sur moi. Ouais, continue, Ash, tu fais du bon travail. Un miracle. Miracle consisterait à... à avoir du feu. Ça, ce serait un miracle. Ce serait un miracle. Ça, ce serait un miracle. Ah oui, mais... il n'y a pas de feu, là. Pas de feu toujours.
Bah, je croyais que tu l'aviez pas aujourd'hui, Spartacus. Je comprends plus rien, moi. Je croyais que tu streamais pas, Spartacus. Dieu, s'il vous plaît, veillez sur moi. Bah, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Et surtout à quoi? Non. Le matin, je stream rarement le matin. Je stream rarement, très rarement le matin, Mike. Je stream très très rarement le matin. Voire pas du tout le matin. Vraiment. Ça dépend à quelle heure. Ça dépend à quelle heure. À ce moment-là, on pourrait jouer avec Alan à ce moment-là. À ce moment-là. Ça me rappelle mes propres aventures. Peut-être qu'un jour, on partira à l'aventure ensemble. À la fin de la quarantaine, peut-être. Je veux dire, quand Zeus me laissera sortir. Alors... Ou alors le matin, mais ça dépend à quelle heure le matin. À quelle heure le matin? Le matin, ça dépend à quelle heure?
À 11h si tu veux, avant que j'ai... Parce que je mange à midi, moi, généralement. Généralement, je mange à midi, généralement. Je mange à midi. Cher ami. Allez, on se dit 11h, comme ça, moi, à midi, voilà. Mon cher ami. Ah putain. Je sais plus, il y avait un truc de quête dessus, je sais plus ça. Allumer les feux, ouf. Ouais. Bon, y'a pas de raison, j'ai un imprévu. Attends. Ah ouais, si. Y'a pas de raison que j'ai un imprévu. Mais non. Non, mais toi, je te verrai bien, toi, en petite robe, là, bien sympathique. Ah, mais moi, je te verrai bien en petite robe. Bien belle, là, bien sympathique. Et si, je te jure. Mais non. Mais quel con. Pas toi, petite robe bien sympathique. Non. Un moyen.
Ah, mais le feu ça boule, ouais. Le feu ça brûle, et non, ça brûle. Ah, mais toi, je te sens prêt à le faire, toi. Je te sens prêt à le faire, toi. T'as pourquoi je te sens prêt à... Je te sens prêt à le faire, moi. Je... Puis t'as oublié, et la villa elle est où? La villa elle est où, t'as oublié? C'est beau de rêver, c'est beau, c'est magnifique. C'est le beau, c'est le rêve, il est beau, hein, il est magnifique aussi. Hein. Puis la villa d'une part, et la villa d'une part, et je veux des belles brésiliennes, hein. Des belles brésiliennes. Des belles portugaises, hein, pas des... Ah bah oui, hein, pas des mouchés, hein. Bah oui. Autant faire les choses bien, hein. Autant les faire bien. Hein. Bah oui. La villa et les belles filles. Hein. Ah bah oui. Ah bah oui. Autant faire les choses correctement. C'est toujours pas mon nom, n'est-ce pas? Pas du tout. Mais c'est pas grave, puisqu'on connaît tous les deux le mien. C'est très juste. Bon, j'imagine que tu as besoin d'aide? Tu t'en sors vraiment bien. Je comprends pourquoi Phoenix t'a choisi comme championne. Et tu as raison. Quelque part dans ce fouillis végétal, il y a les plus rares des fleurs. Les splendides. Enfin, j'imagine, je n'en ai jamais vu. Les splendides pistils purs. Pistil puant? Oh, Echo est là. Je croyais qu'elle était sur le mont Citeron. Oui, il faut que tu me trouves les pistils puants. Ce sont les seules fleurs assez rares pour ma fleur rare. Pour ta quoi? Bon, je n'ai pas que ça à faire. C'est qu'on a du travail. Enfin, toi surtout. Pour moi. Allez, en route. Ouh, il est vraiment pénible. Oh, ça tu l'as dit. Mais je n'arrive même pas à lui en vouloir. Ou alors c'est la fatigue. Honnêtement, je n'en sais rien. Oh, un autre esprit perdu ?
Mais c'est qu'une fois, dans l'émission de l'autre, là, Plaza, c'est pas de Plaza. Tu sais qu'il avait. Il avait expliqué qu'au Portugal, apparemment, que les. Qu'apparemment, au Portugal, que les. Que les maisons avalaient. Qu'apparemment, les maisons avalaient. Avalaient cher, quoi. Je sais pas si tu connais Plaza. Et pour avoir une maison là-bas au Portugal, faut sacrément d'huile, hein. Faut sacrément d'huile. Et c'est pas gratuit. Mais non, mais... Oh, ça sûrement. Sûrement. Mais tu vis quand même mieux si t'as de l'argent quand même. Parce que je pense que si t'as pas ça, si t'as pas d'argent en Portugal, c'est même pas la peine. Hein. Bah, je pense, hein. Oula. Tu vas me faire vomir dans le bassin aux visions. Il faut que tu en trouves d'autres. Ce qui est bien avec le jeu, c'est que tu sens pas l'odeur, c'est ça qui est bien. C'est l'avantage du jeu, c'est que tu sens pas l'odeur. C'est ça qui est bien.
Quel montage? Le montage où tu me fais. Où tu me fais un corps d'athlète? Trop gentil. Trop gentil. Elle ferme. Non, je ne peux pas. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ouais, mais c'est quoi ça? Ouais, mais c'est quoi? Ouais, mais y'a pas de. Ouais, mais ça, je m'en fous de ça. Ah, il est temps. Quoi ça? Quoi ce machin? Les monstres à dents de la chimère. Ouais, mais il faut les trouver, les chimères. Salaud! 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 Ah mais ça c'est parce que t'es jaloux ça. C'est moche la jalousie hein, c'est moche hein. C'est moche hein. C'est moche. C'est vraiment très moche hein, jalousie hein. C'est moche. Ah mais je sais, non mais t'inquiète pas, j'ai compris comme ça. T'inquiète pas, j'ai compris, hein, t'inquiète pas. Ah mais t'inquiète, hein, j'ai compris, hein, t'inquiète, hein. Ah mais, c'est comme dire je suis beau, c'est vrai, je suis... Tu vois, moi j'ai pas besoin de me faire retoucher par un logiciel, tu vois, comme font les belles filles, enfin ceux qui se prétendent belles. Si elles ont besoin de se faire toucher, pas moi. Hein. C'est ça que je me dis dans ma tête. Dans ma tête aussi, hein, au plus profond de ma tête. Hein. Au plus profond de ma tête, je me dis ça. Et vraiment profond hein, dans ma tête. Hein. C'est je sais plus qui a dit ça, qu'il fallait. Je sais plus qui c'est qui avait dit ça, il fallait savoir rire de soi. Qu'est-ce qui est ça? Il veut que ça soit plus profond de où? Hormis de ma tête. Tu veux que ça soit plus profond de où?
Je vois pas. À moins que tu aies des idées, hein, peut-être que. J'aime pas ce début là. Ah, tu vois pas les. Je sais pas ce début là. J'aime pas ce début là. Ah bon? Ah. Oh, si tu sais, tu peux dire où, hein, si un. Si c'est Peggy 18, hein, mon. Si c'est Peggy 18, hein, ma chaîne, hein. Puis, vu toutes les conneries que les autres ils déblatent sur leur live, je pense que niveau conneries, Twitch, ils en ont entendu pas mal, hein. Donc, tu sais. Je pense que Twitch, niveau conneries, ils en entendent suffisamment tous les jours, hein, je pense, hein. Donc, c'est. Je pense que. Alors, et où toi? Alors, pour demain, on fait quoi? Demain, on fait comme d'hab, on se met sur ton. On fait comment demain, en fait? J'attends que tu m'invites, on fait comment? Parce que je sais plus comment on avait fait la dernière fois. M'inviter, je sais plus. Comment on avait fait la dernière fois? Je sais plus comment on avait déjà fait la dernière fois, je sais plus. Mais m'inviter, je sais plus. Je sais plus comment on avait fait. Oula. Un quoi? Moi, un parfum vaginal? Ah bon? Ah bon? J'aurais un parfum vaginal, intéressant ça. Parfum vaginal. Bah, je le suis aussi parce que je savais même pas que j'avais un parfum vaginal.
Ah bon? Elles ont besoin d'avoir un parfum pour Dieu, s'il vous plaît, veillez sur moi. Et pour fille. Elles ont besoin de ça pour Et donc, si elles ont besoin d'un parfum pour C'est pas marrant, mais... Et donc, si elles ont besoin d'un parfum pour avoir d'extase... Et donc... Je plains la fille, hein, putain. Obligé de sentir un parfum pour avoir d'extase. Je me demande si la mourante elle utilise ce parfum. Et pas ça se demander. Des fois ça se demander. J'aime pas cette vue-là. Je me répète, mais j'aime pas cette vue-là. Ouais, mais c'est trop ça. Putain, c'est vachement trop. Moi, je te cache pas que j'ai pas vraiment besoin de mettre de parfum pour attirer les filles, hein, personnellement. Je pense que certaines filles n'ont pas... Enfin, je sais pas. Après chacun des filles font ce qu'ils veulent, hein, mais... Vraiment... Oh.
Eh, à demain 11h sur Ouais, mais ouais, mais je suis comment pour pas d'un système là. Dieu, s'il vous plaît, veillez sur moi. Yeah!
Ouais, mais je comprends pas leur truc. Mais non. Maintenant. Ah ouais, parce qu'en plus il faut le faire sur un ordre Ah ouais, c'est pas bon en plus. Ah ouais, c'est pas bon en plus. Ah oui, là, là-haut, d'accord. Ah oui. Oh putain.
Ah, j'arrive. Ouais. Hop. Merci FDP Oasis de te follow à moi. Merci à plein de passer. Hey. Tac.